Attendez, c'est moi qui vais conduire l'hélico, là? Ça va bien se passer, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Vous savez que là, vous êtes en train de faire une énorme erreur de me laisser conduire un hélicoptère. Essaye de te poser sur un endroit un peu plat. Doucement, voilà. Tu n'as pas atterri sur l'endroit le plus plat. Ah putain de merde! Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas vrai! Oh mais putain, mais il est complètement con, mais j'en ai marre! Mais merde! Mais Juan, c'est pas vrai, t'es fini à la piste! Cette scène est surréaliste. Oh putain! J'en ai pas. Docteur. Ouais. Oui. Je suis en vie. Ah, c'est surprenant. T'as toujours tes palmes d'ailleurs. Attends, viens, il faut que je te parle. Bon, accessoirement, là, je viens juste d'avoir Lucie au téléphone. Visiblement, oui. Elle a vraiment la rage que tu lui ressembles. Et elle croit qu'on veut foutre la merde en se faisant, ce qui est une bonne idée en fait. J'avais pas eu l'idée, mais c'est vrai que maintenant qu'elle me l'a donné, c'est pas mal. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, docteur. Ouais, c'est ça maintenant. En fait, le truc c'est qu'on le faisait pas, mais elle nous a donné l'idée. Allez, il faut qu'on t'emmerde. Il faut, mais putain, tu vas où? Mais tuez-le, celui-là. Mais pas moi. Mais putain. Mais putain. Calme-toi. Arrêtez. Arrête. Allez, c'est bon. Partez, je vous donne là. Dites-moi où vous allez. On va en ville. La ville. Mais tu vas où? Ah, c'est une deux places. Ouais, donc. Donc la voiture elle roule pas. Quoi? Regardez, essayez. Non, mais sinon c'est bon, elle roule. Ah, moi elle roulait pas. Ah ouais. En gros, ouais, donc Lucie elle croit qu'on veut faire un coup fumant avec toi habillé en elle. Ce qui était pas du tout prévu à la base. Mais maintenant c'est une bonne idée. Ah, mais... écoute, j'ai la croûte qui vient de m'appeler, Antoine Croûte. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit oui, tout le monde essaie de me retourner le cerveau contre vous, tout le monde me dit du mal et tout. Finalement, je me rends compte que vous êtes peut-être pas les méchants, je pourrais peut-être vous aider et tout. Ah. Et tu crois pas que c'est un piège? Moi je pense que c'est un gros piège. Ah bah oui, évidemment, oui. Mais pourquoi tout le monde essaie de nous piéger? Les gens ils nous prennent vraiment pour des cons en fait. Doc? Ouais. Le bruit de mes palmes? C'était très joli, pas mêlé. Tu pourrais peut-être faire un déguisement de Lucie parfait, mais garder les palmes, tu sais. Ça ajouterait une touche. Au secours. Bon, mais oui, où il est, Juan, là, putain. Madame Tripak usurperait l'identité de Madame Lucie Hellman de source sûre. Madame Tripak serait mal intentionnée, mais il me casse les couilles, c'est pas vrai? Yo, vous entendez ici, docteur, qu'est-ce qui se passe? Mais il casse les couilles aux news, là, putain, on fait rien, là. Oh là là, tout le monde. Eh, ça commence à me pomper le jonc, là, que tout le monde suce la bite à Lucie. Bon, sérieusement, écoutez, vous voulez qu'on aille au Weasel News et qu'on les prenne en otage chez Kunar? J'en sais rien, oui, on peut y passer, larguer trois cocktails Molotov et basta. Eh. Si, c'est une bonne idée. On peut jeter des cocktails Molotov en étant dans une voiture? Il y en était pas, mais ça me paraît risqué, une mauvaise... Quoi? Bah alors, docteur Cox? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces méthodes que j'apprends par les nouvelles? Mais y'a rien du tout, putain! Vous êtes quoi, là? Magazine de mode? Mais non! Vous me faites chier juste parce que la meuf avec moi, elle porte un pull mode? Qu'est-ce que vous en avez merde? Cassez-vous! Y'a une idée, docteur. Venez dans la voiture 4 places. Venez, venez. Ouais. T'as bien, on va monter avec Juan. Pourquoi elle a fait quoi? J'ai pas vu. Attendez, emmenez-moi chez le coiffeur, comme ça au moins. Non, s'il te plaît. Non, laissez-moi au moins pouvoir lui mettre un beaucoup de pression, mais en tant que tu es pas, qu'elle comprendra que j'ai pas besoin de faire. Mais non, mais justement, on continue de faire le coup du sosie. C'est une bonne idée. Non, mais tu as le droit de faire la couleur que tu vois. Bon, docteur, on y va jamais. Je sais. Il faut. Ouais, bon. Okay. Trouvez Lucie, on la prend. Écoutez, je sais pas où elle est, Lucie. Je suis pas médium, je suis pas sorcier. Ah bon? Vous êtes pas sorcier? Oui, c'est pas parce que j'ai un tapis volant que je suis sorcier. Allez devant l'hôpital. On va faire le tour de la ville tranquillement. Nous, malheureusement, les esprits vont pas nous aider. Donc, on va la chercher comme des grands et on y va. Allez, on va devant l'hôpital. Ah, il y a un chien. Regardez. Oh, oui, le chien. Le chien. Il appartient peut-être à quelque chose. Le chien, c'est le maire? Non, le chien. Non, c'est pas le maire. Ah bon, ok. Vous êtes enflammé pour rien, docteur. Ok, attendez, on se concentre. Comment on peut choper Lucie? En lui brisant les couilles. De toute façon, Lucie, elle traîne toujours ou avec les vagos ou avec les croûtes. Ou à l'hôpital. Ou à l'hôpital. Pour une camée en son genre, c'est pas étonnant. Et là, les croûtes veulent me voir, donc il y a moyen qu'on puisse. Alors, si les croûtes veulent te voir, il y a des chances que Lucie soit pas loin. Écoutez, Lucie, elle est chez les vagos. De toute façon, c'est simple. Elle a toujours 15 personnes qui gravitent autour d'elle. C'est comme pour les ânes, tu suis les mouches, tu trouveras la merde. Allez. Et venez, on va devant Montazac et on jette des molotovs. Ils sont tous là-bas, ils sont donnés rendez-vous tout à l'heure. Mais c'était il y a une heure et demie. Mais alors? Les réunions, ça dure longtemps, non? Là, en tout cas, je vois quelqu'un, mais c'est pas elle. Moi, je pense que le plus intéressant... Bon, là, je vais faire parler mon cerveau. Ce serait de continuer à tourner près du quartier. Oh, comment ça, oula? Toutes les fois, il y a eu des gros coups, j'ai réussi à assurer derrière, donc fermez la bande de caca. Ouais, moi j'ai rien dit, c'est lui. Attends, tu sais quoi, tant qu'on est là, je vais aller chercher des défibrillateurs. Mais il y a quoi que vous comprenez pas bien ce que je vais vous dire. Je prends un rail de coke et je vais réussir à me concentrer. Mais non, mais écoutez, il vous dit qu'ils sont tous chez Montazac pour faire une giga soirée. D'accord. Eh ben, on va y aller, allez. Lucie,
Je vais chercher. Il faut que tu connectes tes neurones un petit peu. Je vais aller. Et on prend un 4, ça suffira. De merde. Non mais toi comment ça m'a cassé les couilles. J'ai récupéré des trousses de secours, j'ai récupéré tout ce qu'il faut. Il a envie de mourir, docteur. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, putain, me dis pas qu'elle a glissé sur le tapis. Si c'est ça, je vous jure, je vais à l'aéroport et je me casse. Venez. Non mais Mais pourquoi? Pourquoi tu as non. Je t'écoute, moi. Lucie, Lucie, non merde, tripug. Enfin putain, allez, on y va. C'est bon. Tu m'as dit que tu voulais que je t'ouvre. Hermana, tu me casses. C'est bon. Tu m'as dit que tu voulais que je t'ouvre. Mais non, mais quand on va vous le donner, mais non. Allez, on y va, let's go. Allez, hop, Il nous faut de quoi se soigner aussi. J'ai pris des trousses de couilles. La médecin, elle m'a rien donné. Ah, t'as rien. Ah putain, il faut des antidouleurs, c'est ça? J'en ai. Ouais. Attends, tiens, regarde. Hop, donne, je t'en donne 4. Allez, c'est parti. Qui conduit? Hermana. Non, reste là. Ah, mais putain! Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, avance, Hermana! Je peux pas rouler, j'ai un problème! Vous êtes un bon de con! Dépêche, Hermana! Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais. C'est elle que j'attendais. Mais c'est pas possible d'être aussi con qu'elle! Attends, stop! Non, calmez-vous. Je vais faire je vous jure, je bute tout le monde, j'en ai plein de cul maintenant! Alors vous levez la main maintenant, ça suffit! Merde! Vous nous cassez les couilles, c'est pas un magazine de monde ici! Tu montes dans la bagnole, t'es braqué putain, tu montes! Où est braqué? T'es braqué putain, tu montes dans la caisse, tu veux des emmerdes! Lucie! Allez! Lucie, t'as déjà rien à foutre, je sais pas qui est là-dedans, tu montes à l'avant, allez, zou! On va faire un truc simple, Lucie, j'ai pris ton téléphone, tu n'as pas le droit d'appeler la police, tu comprends ou pas? Qu'est-ce que tu fous là? On t'a rien demandé, pourquoi tu nous colles au cul? Mais on n'entend pas! C'est pas possible là, di merda! Ferme ta gueule toi! Pardon? C'est pas possible, di merda! Vous allez m'expliquer ce que vous foutez avec l'apparence de ma gosse là? Et qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel de merde? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est mon problème, espèce de troufion! Bon, écoute, je crois qu'elle a pas compris la situation. Y'a trois personnes armées autour de toi, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule comme ça? Mais tu penses que j'ai peur de mourir en fait? Je suis déjà morte de l'intérieur en étant dans cette gosse, je viens de crever de l'intérieur à cause de toutes vos conneries! Docteur, il va me garer, il va lui mettre une balle dans la tête! Non, écoute, tu vas pas lui mettre de la tête, essaye de te garer une chose après l'autre déjà pour commencer, ok? Emmène à un endroit de Hermana, on est marre que tout le monde me prend pour un con, j'en peux plus! Déjà, je suis dans un corps que j'appartiens pas et maintenant y'en a qui prennent son apparence, mais c'est quoi ce merde? Tu te tais! Hermana, mets-moi une direction, bordel! Elle commence à craquer! Ce que tu comprends pas, Juan, et que je t'explique depuis 20 minutes, c'est que j'ai les bras dans le plat. Là, ici. Tu vas là, regarde, je te mets une direction, tu vas là. Allez, c'est parti. Ne fonctionne pas, hijo de puta, tu comprends? Eh, ferme là, hijo de puta madre! Il avait te cassé la gueule à toi aussi! Il y a tué toute tension, ok? Bon, calmons-nous. On peut pas mettre une. Mettre de la radio là, y'a pas de la petite musique là? Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Parce que vous avez donné une mauvaise direction, docteur! Mais j'ai pas donné une mauvaise direction, je t'ai donné une direction, j'ai mis une. Tu m'emmerdes! C'est l'aéroport, docteur! Et alors? C'est bon, y'a même vous donner. Les gars, vous trouvez une position et moi je vais faire une sieste parce que là je peux utiliser aucun de mes muscles, j'ai trop mal. Si, y'a c'est bien le moment de piquer un jeton, ah putain! Mais vous arrivez, j'arrive dans deux secondes, je vais parler un petit peu à la petite Lucie, ça va être rigolo. Lucie, Ted, je sais pas ce que vous foutez, vous nous surestimez, on est à rien en train. Merde! Fatigué. Y avait tiré une balle dans la jambe à votre tête à la con là, hein? Elle se fout de ma gueule ou quoi? Non, elle a un dédoublement de la personnalité. Mais y'avait rien à foutre de son dédoublement, je vais lui dédoubler la gueule, moi, tu vas voir. Et en plus, je crois que c'est elle qui m'a mis une gifle un jour. Va pas là, c'est verser des vagos. Putain! Ah putain, vrai. Mais c'est pas vrai, ça va jamais en finir! Mets une position dans le nord. Non, y'a pas que ça à faire que de conduire 2 heures. Tiens, regarde, je te mets un truc là, tu vas là. Là, voilà, c'est pas compliqué, c'est pas loin. Bon, allez-y, racontez votre vie là, racontez-moi ce qui se passe. Mais non. Mais qu'est-ce. Arrête, t'es parti sans aider! Stop! Hé, hey, tu vas où? Tu veux pas qu'on a lâché quelqu'un? Elle a dit qu'elle allait faire une sieste! Mais attends qu'elle revienne! Oh là là! Mais non, elle a dit allez-y! Docteur, écoutez! Y'en est marre, hein? Ouais, moi aussi. Docteur, vous écoutez pas! Docteur, il est fatigué, hein? Docteur, je suis même plus. Déjà, je suis. Je suis même plus de docteur. Arrête. Écoute, Lucie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, crois-moi. On fait pas grand-chose, mais on s'amuse bien. Docteur, faites ce que vous savez faire le mieux, parlez. Moi, je m'occupe de l'est. Vas-y, parle. Ok. Alors, Ted, c'est ça? Bah oui. Voilà, c'est Ted pour l'instant. Comment ça va? Déjà, faut commencer par le début. C'est une vraie question, là. Ah ouais, c'est une vraie question, ouais. Réponds. Et quoi, toi? Donc c'est avec eux que vous vouliez monter votre famille, là? Ah bah écoute, dans la famille, on accepte tout le monde, hein. Descendez. Vous avez plus de téléphone, hein?
Oubliez pas. Je sais même pas qu'est-ce que tu fous là. Tu sais ce qu'on faisait? Cox aurait encore kidnappé un citoyen. Alors, sur le encore, ils exagèrent un petit peu, et surtout, c'est toi qui es venu nous emmerder. Hein. Alors, j'étais devant, et il y avait une voiture. Enfin... Oui, et pourquoi t'es venu taper la pauvre Tripa? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bah, excusez-moi, hein, mais elle a quand même volé mon identité. Et déjà qu'on est devant trois là-dedans, on a pas... Et oh, oh! Il parle à moi-même, tu vas faire quoi? Mais arrête de dire que tu parles à toi-même, tu sais même pas de quoi tu parles, putain. Bon, oui, non, je... ma famille, c'est ça? Oui, et là, tu traînes avec qui, de toute façon, Lucie? Avec les Vagos? C'est ça, en ce moment? Je t'ai vu tout à l'heure, tu traînais avec eux à l'élection. Elle a des choix douteux, mais elle a pas le choix. Elle a des choix douteux, elle a pas le choix. Genre, t'as pas le choix, t'es obligé de traîner avec les Vagos. C'est ça, hein? Genre... Bah, sinon, elle se fait buter au fond d'un égout, donc oui, du coup, oui. Elle se fait buter au fond d'un égout? Et tu trouves que c'est ça, la liberté? Vraiment? Au final, t'étais pas... J'avais le choix depuis le début, on n'en serait pas là. Sauf que t'étais pas là, t'es parti en vacances, et puis elle a entendu, et puis tu m'as mis dans la merde. Oui, je suis parti en vacances, mais pourquoi? On m'a viré, pourquoi? Parce que tu balançais que je te donnais des médicaments qu'il fallait pas. Tu sais ce que c'est, des amphétamines, au moins? T'es docteur? T'as fait des études? Alors, normalement, t'es médecin, donc tu sais que c'est pas moi, puisque tu dis que c'est moi, alors que tu sais que c'est Lucie. Ouais, mais de toute façon, écoute, hier quand on s'est croisé, tu m'as dit que les personnalités, que justement, que ce que j'avais dit quand on était en consultation, souviens-toi, tu m'as dit que tes personnalités commençaient à se réunir et que du coup tu réussissais à influencer les unes sur les autres. Ouais, Lucie, elle y arrivait, ouais. Voilà, je me suis pris une bagnole quand même, donc j'arrive à reprendre le dessus, mais des fois elle fait des trucs chelous. Alors du coup, là, c'est Ted qui contrôle à 100%. Oui. Et... Je pense pas que j'aurais frappé une nana comme ça, Lucie aurait jamais fait ça. Ah putain, mais qu'est-ce que... On m'a pourtant frappé à l'hôpital, hein. Comment ça se manifeste, en fait? C'est quand tu l'as traité de folle alors que tu sais même pas de quoi tu parles. Comment ça se manifeste? C'est genre, quand tu te prends un coup, tu t'es fait renverser par une bagnole et quand t'es revenu, t'étais en tête, c'est ça? Il y a eu ça et... Quand elle est en danger, et là, vous l'avez sacré mis en danger aussi. C'est toi qui t'es mis en danger tout seul, Ted. Assume tes responsabilités un petit peu. Vous vous faites passer pour elle. Y'a rien du tout. On s'est fait passer pour rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? T'es la seule à avoir le droit de porter des cheveux bleus et un pull comme ça dans cette ville? Il s'est rien passé. Maison, il a 104 ans, Maison. Pourquoi tu l'écoutes encore? Parce qu'il a dit que vous vous fassiez passer pour elle auprès de Gégé. Gégé, s'il sait que c'est elle, il la bute. Mais Gégé, il est au courant que c'est pas elle. On l'a vu tout à l'heure, bon sang. Comment ça, il est au courant? Mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Et pourquoi il le serait pas? On était en... Lucie, tu es paranoïaque. Lucie, Ted, peu importe. Les deux, vous êtes paranoïaque. Vous avez des... C'est vrai, vous avez des problèmes. Ça, je pense que vous le savez déjà. Ouais, ben voilà. Mais là, il ne s'est rien passé du tout. Tu es en train de faire une crise de paranoïa. Et Lucie, Ted, enfin les deux, vous êtes en train de traîner avec les Vagos et tu me dis que c'est la seule solution que tu as? Vraiment, pourquoi traîner avec les Vagos? Pourquoi la gamine, elle est exactement comme moi si vous faites rien? Pourquoi la gamine, elle est... Quoi? La gamine qui est avec vous sous crack, là, pourquoi elle est déguisée en Lucie? Mais elle est pas déguisée en... Parce qu'elle aime bien ton look. Oui, d'accord, donc elle est à 100% comme moi, elle a un pull édition limitée Baguera qu'on trouve nulle part, mais c'est normal, tout va bien. Écoute, elle a trouvé dans un magasin. Honnêtement, très franchement, tu sais quoi? Je vais te dire, tout à l'heure quand tu nous as appelé, là, tu nous as dit, ouais machin, vous déguisez en moi, c'est parce que vous comptez faire un coup fumant en vous faisant passer pour moi. C'est quoi? Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Vraiment, ça m'avait même pas traversé l'esprit une seconde. Alors c'est gentil, du coup, tu nous as donné une super idée, parce que vraiment, je crois que tu nous surestimes beaucoup. Mais on avait absolument aucune intention de faire quoi que ce soit. C'est juste, on a remarqué que tu lui ressemblais, elle s'est déguisée en toi parce que ça l'amusait, elle a commencé à t'imiter, c'était rigolo, c'est pas aller plus loin. M'imiter, c'est déjà beaucoup trop. Ah oui, oh, c'est ça, ma pauvre bichonne. Écoute. Tu sais que la ville elle est à feu et à sang, juste comme ça. Il y en a rien à foutre de la ville. Ouais, là, moi la ville elle me fatigue. Et honnêtement, la ville elle me fatigue. Tu me fatigues à manipuler tout le monde parce que Lucie là, t'es en train de faire quoi? Oh, regardez-moi, je suis Lucie, je suis fragile, s'il vous plaît, aidez-moi. Et c'est ce que tu passes. C'est ce que tu passes à ton temps à faire avec tout le monde là. Là, oui, Ted, tu sais très bien de quoi je parle. Arrête! Et tu fais la dépressive, mais tu traînes avec des gens pourris. Qu'est-ce que tu connais? Je suis pas dépressive, j'ai un TDI, renseigne-toi avant de dire des conneries. Mais qu'est-ce que tu connais? Mais alors? Il y en a rien à foutre de tes certificats. Et toi, t'es censé le savoir aussi si j'ai un TDI au lieu de dire que je fais ma mijaurée machin. Lucie, vraiment Lucie, Ted est vraiment Ted. Tu sais très bien qu'on fait pas semblant, alors arrête. Non, je sais que tu fais pas semblant, mais. Ah merde! Mais c'est trop facile de se cacher derrière ça! Mais non! C'est un vrai truc! Non, c'est. Je vais parler pour rien. C'est un vrai truc, mais... Ah, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que... On fait quoi, là? On va se regarder comme des chiens de faïence? Non, écoute, non, on va attendre. Honnêtement, Lucie... Ted, attends, laisse-moi finir. Ted, tu veux rendre service à Lucie? Barre-toi, laisse tomber les Vagos, laisse tomber les gens qui t'entourent, laisse tomber tout ça. De toute façon, tu seras bien mieux toute seule. Docteur, des fois, si ça rentre pas avec le blabla, ça va rentrer avec autre chose, docteur. On a compris, tu veux mettre une balle? Bah vas-y, mets-moi une balle dans le pied. Non, attends, toi mais tu laisse parler les pas. Adultes, c'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire, j'ai écouté, et j'ai entendu, je vous ai entendu. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Donc, y a, bah rien, ferme-la. Docteur, non, y a pas de on ferme-la. Va attendre d'aller, va lui mettre un petit coup de couteau et puis on va s'en aller tranquillement. Okay. Vas-y, mets-le ton coup, tu veux le mettre, tu crois que j'ai pas peur? Les coups de couteau, ça fait 40 fois qu'on essaie de m'en mettre un. La gamine, elle a été mise dans un égout. Depuis le début, on la sous-estime, depuis le début, on la traite comme de la merde. Tu penses vraiment que je souffre pas assez? Et un coup de couteau qui va me faire souffrir? Et là, attends, Juan, t'es énervé toi aussi. Ted, pourquoi? Pourquoi tu es là encore? Pourquoi tu es là? Pourquoi t'es pas parti? Pourquoi juste t'as pas tout laissé tomber? Pourquoi t'as pas tout plaqué pour te barrer? Parce que j'ai le contrôle. Tu crois que c'est moi qui décide? Si c'était moi qui décidais, ça ferait longtemps que je me serais barré de cette ville de bouseux. Oh, je voulais juste des putes, aller prendre du bon temps, machin, mais sauf que... Eh ben fallait m'écouter, fallait venir avec nous. Mais tu crois que je pouvais? T'étais pas là quand je t'ai appelé, du con. Ah putain. Ah bah tiens, voilà ta copine. Eh, viens. Si, bah toi un couteau? Salut Lucie. Tu vas t'occuper d'elle, s'il te plaît, parce que le docteur est trop gentil, il commence à me casser les couilles. Ouais, mais toi aussi, tu me casses les couilles, vous me cassez tous les couilles. Oui, mais tout de même, quand même. Ça fait quoi d'avoir son reflet en face de soi? Est-ce que ça fait mal? Bah, pas quand c'est la version Witch, non. Version Witch ou non, t'as quand même une version de toi en face de toi. Non, t'inquiète, je connais bien. C'est pas toi qui passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort? Oh, la pauvre Lucie, tout le monde la déteste. Personne ne m'aime, ce citrus. Non, c'est moi qu'on aime pas. Mais bon, du coup, apparemment, pourtant, tu me connais pas. C'est parce que j'ai entendu, ils parlent tous sur toi. Alors, ça, je m'en carre le cul comme l'an 40. Ah bon? Et c'est quoi qui te touche, toi, du coup? Eh bien, la première personne qui me demande, tiens. Mais en tout cas, ça m'en touche une sans bouger l'autre, ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qui pourrait, du coup, te faire un peu de mal? T'as l'air d'y tenir quand même à ta petite Lucie, sachant que tu vas jusqu'à mettre des articles sur le Weasel News me concernant. Tu sais ce qui était drôle? C'est que t'es tellement parano dans ta tête de psychopathe que c'est toi qui m'as donné l'idée de m'habiller comme toi. Ah bah voilà, voyez. On dit raconter des conneries, elle l'a dit, là. Bah oui, tu pousses les gens à te détester. Parce que chez toi, y a rien qu'on peut aimer. Du coup, tu veux me ressembler? Pas très logique, non? J'ai juste envie de te faire du mal. Regarde, ça fait une petite crise de jalousie parce que Dr. Cox, finalement, t'a pas gardé. Mais c'est qui la version Wish, au final? Tu sais, c'est juste ton apparence, mais toi, t'es creuse, tu l'as dit, t'es morte de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait aimer chez toi? Alors, figure-toi que personne n'a jamais rien aimé chez moi, c'est bien le problème. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous encore là, alors? À faire chier les gens? Je me demande aussi. Moi, je voulais juste me barrer, hein. Ce qu'elle m'a donné comme idée. Tu rentres dans la voiture pour agresser notre copine. Ouais, je rentre dans la voiture qu'elle est sortie. Juste, je l'ai vue. Il fallait que je lui mette une baigne. Point. Toi, écoute-moi bien. Si tu voyais un mec qui te ressemblait, tu vas pas me dire que tu vas lui taper un check et manger un sandwich avec, non? Bah pourquoi pas? Bah arrête. Dieu sait ce qui lui ferait plaisir dans la vie, alors au contraire. Oh, arrête, arrêtez de me prendre pour des cons. J'ai une question à te poser, Ted. Ouais. Comment est-ce que tu veux que Lucie s'en sorte dans la vie si elle supporte même pas voir quelqu'un porter le même t-shirt qu'elle? Tu l'as appelée ta fille, on est d'accord? Non, c'est pas ma fille, ce serait vraiment bizarre, mais... De toute façon, elle a plus de parents. C'est juste que j'ai pas le choix. Je suis dans son corps, donc j'ai pas le choix. Mais sinon, crois-moi, je serais bien loin de là. Non mais je sais très bien, Ted, je sais très bien que la plupart du temps, c'est Lucie qui garde son propre corps et que c'est... que Ted, tu es influencé. Vous êtes tous... Toutes tes personnalités sont influencées les unes par les autres, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué déjà à l'époque où j'étais... Oui, c'est même pas que je suis influencé, c'est que j'ai pas le choix. T'as le choix. J'ai essayé d'influencer la gauche, j'ai essayé d'influencer la fille. Oui, dessous. Bon, docteur, baissez un peu le son de votre voix, parce qu'on vous entend de loin. Et il va falloir que vous arrêtiez d'avoir pitié pour ce genre de truc, ok? J'ai pas pitié, ici. Justement, j'étais en train de réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec ça. Et ben, on va gentiment lui mettre un coup de couteau. Mais, putain. Vraiment, sérieusement? Mais oui, sérieusement, il n'y a jamais été aussi sérieux. Cette putain m'a mis une gifle. Mais oui, non, mais je sais, mais en fait, on pourrait peut-être l'utiliser différemment. Tu vois, si jamais on la retenait en otage pendant juste le temps de discuter avec elle pendant un petit moment, et pendant ce temps-là, Tripak va faire les conneries, Tripak va aller faire des conneries avec, en se faisant passer pour elle, et à ce moment-là, ça pourrait nous servir. Si jamais Lucie allait tuer un Vagos et qu'elle se barrait sans rien dire, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Mais parce que malheureusement, docteur, votre cerveau est trop aiguisé pour cet endroit, pour cette ville, docteur. Il reste peu de temps. Moi, coup de couteau, hop, c'est réglé, fuite. Oui, mais ça ira pas plus loin, alors que si jamais... Il n'y a pas besoin que ça aille plus loin, traiter avec les Vagos, c'est une traite. Donc hop, coup de couteau, fuite. Vous avez trop pitié pour elle, mais elle va s'en sortir, un coup de couteau, c'est rien. En plus, il y a la neige, elle va cicatriser. Si on lui met juste un coup de couteau, après on va avoir juste tous les Vagos au cul, plus la police. Alors, écoute, normalement, si on lui met un coup de couteau, elle n'est pas censée, il y a des biens, censée se souvenir de tout ce qui s'est passé. Hein.
Ah bon? Vous avez déjà fait un coma ou pas, docteur? Ah oui, mais bon... ça fait mal à la tête, hein, on se souvient pas de tout. Mais bon, après, ici, les lois du coma sont différentes, comme on dit, hein. Du coup, est-ce que si je te laisse partir, tu vas continuer tes conneries ou je dois te buter? Toutes les 5 minutes, j'entends parler de toi. Genre, j'ai l'impression d'être en primaire et que je t'ai volé ton goûter. Bah, désolé, Lucie est bien aimée par les gens, malgré ce que tu penses. Ça m'emmerde aussi, hein, parce que j'aimerais être tranquille, mais c'est pas le cas. Bah, dans ce cas-là, Lucie, si ça t'emmerde, viens avec nous. Réellement ? Elle ne viendra pas, docteur. Mais je sais très bien qu'elle viendra pas, évidemment. Elle est pas assez lucide. C'est quoi ta proposition ? Écoute, nous on cherchait du monde, mais maintenant c'est trop tard de toute façon. On va bientôt se barrer de cette ville. Du coup, t'as pas de proposition finalement ? Ouais. Si. Ouais, je réfléchis. Les Vagos du Miada. Qu'est-ce que tu veux, Vagos exactement ? Tu veux les buter ? Oh oui ! Tu sais qu'ils sont vraiment nombreux. Et alors ? Bah... On veut pas les buter, on veut juste les emmerder. C'est ça. Mais pourquoi faire? Ils vous ont fait quoi, les Vagos? Je sais pas, mais ils nous emmerdent, eux-mêmes nous font chier depuis des jours, alors qu'on sait même pas pourquoi ils nous font ça. Donc, mais nous, si vous êtes des esprits libres, pourquoi vous vous barrez pas juste de cette ville de plouc? Mais crois-moi, c'est ce qu'on va faire, Mais juste avant, j'aime pas partir en ayant mon livre des rancunes ouvert. Vraiment, non, sérieusement. C'est deux cons, là, que tu m'as remplacé, franchement. Je sais que j'ai pas répondu, mais enfin, quand même. T'es au courant qu'ils sont complètement craqueux et qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule, hein? Non, non, crois-moi, franchement, avec tout ce qu'on a traversé ensemble, tout ce que j'ai envie de te dire au final, c'est que tout ça, les Vagos, les machins, toutes ces conneries là, t'es en train de te laisser embrigader dans quelque chose qui te dépasse complètement. Tu te fais influencer par absolument tout le monde et tu t'en rends même pas compte. Et toi, certes, alors tout le monde est là à faire: oh, la pauvre petite Lucie, on va la protéger, regardez-moi, j'ai besoin d'aide, parce que là, t'es là, avec toute mignonne, avec ton air de petit chat apeuré. Mais en réalité... Mais bon, ça va, arrêtez d'épiloguer sur Lucie, c'est pas moi, donc oui, j'ai compris. Ouais, mais tu sais très bien que je parle aux deux personnes en même temps. Ouais, mais elle vous écoute pas, là. Elle a pris un choc sur la tête et j'aimerais bien justement qu'elle revienne. Au moins, elle vous ferait ses yeux abattus et puis on n'en parlerait plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Moi, il peut lui faire un deuxième choc sur la tête, hein. Pour faire revenir la petite? Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. T'as quoi à nous apporter? Je veux dire honnêtement, pas grand-chose, tout le monde s'en branle. Moi, j'avais juste envie de me barrer de là. Tu crois vraiment que ça me fait plaisir ce qui est en train de se passer là? Tu crois vraiment que je kiffe ma vie là, actuellement? Mais t'avais l'air de me détester jusque-là. Mais en fait, ce qui me casse les couilles, c'est qu'elle a déjà assez de problèmes comme ça et que... Vous vous rendez compte ouais, qu'elle est emmenée dans un égout, dans le journal public. Mais c'est pas moi, j'en ai rien à foutre des merdias, j'arrête pas de dire que c'est des journaux salopes. Puisque tu crois que c'est moi qui ai dit ça? Oh là là, qui m'appelle encore? Vous croyez que mon poing dans la gueule, c'est assez violent? Ouais, désolé, le club de Scrabble est fermé, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, docteur Couille, où est Lucie? Où est Lucie? Dans ton cul, t'as vérifié? Au fond à gauche? Oui, je suis allé voir 3 fois, elle n'y est pas. Ah bah c'est triste alors. Eh oui, par contre je pourrais aller voir sur votre match de foot qui vous sert de crâne. Ah bah si seulement, je vous jure que j'ai fait tous les coiffeurs de la ville et j'arrive pas à trouver un coiffeur qui peut me raser à blanc. Ah seigneur, que Dieu nous garde, écoutez, avec les poils de cul que vous avez sur la tête, c'est un peu simple, compliqué en effet. Ah bah c'est sûr, c'est plus simple avec les... Et je sais pas quoi faire, vous m'emmerdez, voilà. Docteur. Ouais. Il veut vraiment lui éclater la gueule, hein. Écoute, lui éclate pas la... Enfin, écoute, de toute façon, j'ai de quoi la soigner, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on demande une rançon? Est-ce qu'on se barre après? Tu sais, y'a personne qui en a rien à branler, hein, donc t'as rançon. Y'a personne qui en a rien à branler? Tu plaisantes? Y'a la moitié de la ville qui m'a appelé pour essayer de te récupérer. Ouais, moi pareil. Oh, bah c'est gentil. Dans cette ville, ils sont au courant des choses. Enfin, c'est pas moi, c'est Lucie, mais bon. Mais c'est la même personne. Tu sais très bien que Lucie, elle est là, elle est cachée au fond quelque part. Non, je crois que tu comprends pas grand chose, hein. Ah, c'est moi qui comprends pas grand chose alors qu'il comprend pas ce qui est intégré. Oh là. Bon, c'est bon. Voilà. Quel pathétique spectacle. Ça c'est bien fait ça. Quel dommage. Oh, y'a Lucie là-bas. C'est votre papa, docteur Maison, qui va être triste, hein, Tripac. Hein. Oh, vous êtes fatigant, je vous jure. C'est d'une belle soirée, hein. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Rien du tout. Un beau kaké. Ah d'accord. Je la connais, c'est un plat japonais. Ah oui, cher ami, vous aussi. Ah ouais, je connais, vraiment, c'est vraiment un plat japonais en plus. C'est délicieux, on est d'accord. Merci, cher ami. Ça fait une semaine, 2 semaines que je le dis, personne ne me croit. Ah oui, non, mais c'est un plat japonais à base d'udon, je connais. Merci, cher ami. Ça va, Cox? Ah bah oui, ça va, mais pourquoi tout le monde nous tombe dessus, bordel de merde? Non, il y a le bah, j'en ai aucune idée. Ils ont cherché dans cette ville de millions d'habitants, ils nous ont trouvé, hein, malheureusement. C'est comme ça. Mais non, oui, non, mais ils ont dû ratisser toute la ville, je pense. Bonjour, docteur Cox. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je crois que je vous embarque. Mais pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé au moins? Il s'est rien passé. Lucie nous a agressé devant l'hôpital. D'abord, soignez-moi pour commencer parce que je vois flou. Je suis pas médecin. Ah bah demandez à un médecin de me soigner alors. Lucie nous est tombée dessus à l'hôpital, cette espèce de cinglée là, juste parce que Tripac elle est habillée comme elle. Elle a commencé à nous taper dessus. Alors juste on l'a emmenée pour avoir une discussion tranquillement. Il s'est rien passé.
Elle était en mode genre, eh, nana, vous déguisez comme moi, pourquoi c'est interdit de s'habiller comme elle dans cette putain de ville. Soignez ton Non, laissez-la tranquille, quel truc. Mais je ne la considère plus comme ma fille depuis bien longtemps. Ouais, je sais bien, monsieur, mais quand même, c'est pas comme ça. Tu sais, Antoine, ce qui s'est passé hier. Oui. Bah, c'est pareil, c'est littéralement la même chose. Et en plus, la seule différence, c'est que Lucie nous est tombée dessus à l'hôpital, elle nous a agressé parce que juste mon amie est habillée comme elle. Elle nous a sauté dessus pour nous menacer parce que genre, je sais pas quoi, parce qu'elle a pété un câble. Et là maintenant, toute la ville nous tombe dessus juste parce qu'on l'a emmené discuter exactement comme toi. On était en train de discuter avec elle, elle pouvait partir quand elle voulait. On a rien, on a aucune idée de ce qu'on est en train de faire, on a aucun plan, aucune stratégie, tout le monde nous prend pour des génies du mal. On vous prend pour des cons, y'a pas de soucis quoi. Ah ben voilà, merci. Juan, t'es où? De toute façon, c'est pas nous. Je suis là, Hermana, t'inquiète pas, je suis là. Je crois que je vais pas m'en sortir. Moi, je sais pas, c'est juste. Oula, oula. Pourquoi vous venez ici? Antoine. Oui. Écoute, sache que t'as été le meilleur ami. Non, Hermana, tu dois pas mourir. Que j'ai toujours rêvé. Hermana. Non, oh. Tripac. Hey, Cox. Quoi? T'as été le père que j'ai toujours rêvé d'avoir. Écoutez là, c'est ces dernières paroles. Maison. Attends, laissez. J'ai un défibrillateur sur moi, aidez-moi. J'ai aimé de crever moi-même, mais j'ai pas réussi à le faire. Elle va mourir, Juan, on a fait les 400 cours. Elle va mourir encore. Sérieusement? J'aurais préféré. Essayez, docteur, essayez, continuez. Hermana, il était toujours aimé, Hermana. Moi aussi, Juan. Relève-toi. Tous ces poutons ne te méritaient pas, Hermana. Et je suis désolée de pas avoir été comme vous le voyez. Couez-moi, putain, calme-toi, couez-moi. Accroche-toi. Docteur, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Si vous m'auriez marre, Hermana, je te l'ai dit. C'est incertain, chérie, c'est incertain. Hermana, si vous m'auriez marre. J'ai respiré, je vais mourir, je le sais, je le sais. Non, Hermana. Docteur, je vais partir avec elle, je crois. Hermana. Toi maintenant tu veux m'écouter sérieusement, j'ai plus qu'un seul but dans la vie, c'est de te tirer une balle à la tête. Voyez les croûtes, voyez les gens avec qui vous traînez. Vous voyez vos amis là, les vagos, vous voyez? Ta gueule! Tu ferais moins le malin si je t'ai détaché, connard. Donatien, bouge, bouge. Certainement. Hey, y'a quelqu'un qui fait le malin là. Non mais bouge de là, c'est pas tes affaires. Excusez-moi, ça va déranger hein. Allez. Ah pardon. Allez docteur. Allez, maintenant vous me suivez. Elle est vivante? Est-ce qu'elle est vraiment vivante? Elle est vraiment vivante? Oui, elle est vivante, elle est vivante. On va se revoir, on va se revoir. Juan, on va se revoir. Docteur, vous allez bien? Comment ça va? Si, bah, il était avec Hermana et elle va s'en remettre. Elle est où là? Elle est à l'hôpital? Oui, elle est à l'hôpital, docteur. Elle va bientôt sortir et après elle va venir ici. Il y avait fait l'interrogatoire, ok? On va se revoir et on va régler tout ça. Et ce coup-ci, on va suivre tes idées, ok? Si, passez une bonne soirée, à tout à l'heure. Hein. Vous savez, quand un groupe de 3 personnes menace de mort une personne, généralement ça se passe pas très bien, vous voyez? Mais t'as rien suivi, espèce de crétin! Parle pas de choses que tu connais pas! La souci, monsieur? Ouais, j'étais en train de te traiter de crétin. En fait. Ok, pourquoi? Parce que tu parles de choses que tu connais pas, il faut que je répète la phrase. Ok, et donc quand on a une personne qui s'est fait menacer de mort apparemment par... T'as rien suivi, flic, t'as rien suivi du tout, tu sais pas, t'as pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Dans ce cas, tu vas me dire ce qui s'est passé, dis-moi ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, excusez-moi, attendez, je cherche le capitaine. Ah non, je le vois pas là, je vois juste... C'est qui ce monsieur là? Bon, je vais vous dire un truc, d'accord? Il va falloir que ça rentre dans votre crâne, ok docteur? Non mais c'est rentré, t'inquiète là, ça y est, je sais déjà ce que tu vas dire. Non, ne vous énerve pas, ne vous énervez plus. Et... Qu'est-ce que j'allais dire, docteur? Ah ben, ok. Ah bah, je vous ai dit que j'aurais dû tirer, ça c'est sûr, mais bon. Ouais, ça je suis d'accord. Ça va faire 3 fois quand même que je vous l'ai dit. Non, mais je t'ai dit, t'as pas besoin de me l'expliquer, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais docteur, écoutez-moi, restez calme, docteur, c'est pas grave. Eh, hey, c'est que la deuxième fois, on commence à avoir l'habitude, hein. Ouais, il y aura pas de troisième par contre, ça je te le dis. Maintenant, on va tirer avant de parler. Si, je comprends. Mais vous énervez pas, docteur, vous inquiétez pas. Dites-vous que c'est rien tant que Hermana est en vie, hein. Ouais, mais ça m'a fait flipper, Juan. Monsieur, sortez de la cellule, s'il vous plaît. Si qu'est-ce qui se passe, là? Oh, c'est vraiment le bordel. Alors, pour vous dire, il y a eu encore 2 autres kidnappings qui sont complètement différents, des groupes différents. Vous avez Rose qui s'est fait kidnapper. Vous avez une pacifique qui vient de faire un instant. Il y a une flicard en même temps et un autre kidnapping, voilà. À peu près. Et moi je fais quoi? Et vous, j'attends les deux autres parce qu'il faut que vous y allez ensemble, ce serait pas mal. Et on vous mettra juste 30 minutes pour l'attente. Hein. Comme ça c'est arrivé plus vite et vous irez en 10 minutes. Même 5 minutes.
C'est le bordel. Vous avez des questions peut-être? Ah non, non, j'ai pas de questions. 30 minutes, ça me va, ça me... Non mais c'est pas vraiment 30 minutes, c'est 5 minutes. Oui, 5 minutes, ça encore mieux. Bah écoutez, je prends ça, hein, ça... on boit un café, un croissant. Oui, c'est rapidos. On vous amène et on attend juste vos deux collègues pour pas que vous allez tout seul. Allez. Et vous aurez Pichon avec vous, donc ça vient. Vous connaissez les pigeons? Ah oui, oui, je l'entends. Gérard, tu m'entends Gérard? Putain, j'ai encore vous. Encore. Ouais, c'était une grosse journée, je vous avoue. Eh, vous pouvez me mettre dans la même cellule que Gérard, comme ça on peut discuter. Ouais, mais je vais vous amener tous les trois à la prison, là. On y va? Allez, venez. Oh, salut, frère. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah oui, ça va. Alors, Gérard, comment ça va? Une grosse journée, toi aussi? Grosse journée. Ouais, on est tout le monde en prison. Moi aussi, ça a été riche en bon espoir. Ah ouais, c'est... Tu te souviens de l'hélicoptère? Oui. Ouais, plus l'hélicoptère. J'ai hâte que tu m'expliques ça. Ah ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on fout dans ces buissons? Hermana, où est Hermana? Elle va être toute seule. Elle est montée. Elle est où? Elle est... Elle est en train de se faire opérer. Oh, c'est reparti pour les tâches. Vous avez l'habitude, vous, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, GG? Moi, c'est pour une autre... C'est autre chose, moi, là. On a vu que t'avais tué quelqu'un. T'as tué qui? Une racaille il y a quelque temps et bon... Monsieur le pilote, est-ce que vous pouvez nous arrêter au milieu de la route et nous écraser avec votre bus? Question à Kant Rouen. J'ai vu comment il est haut le bus. Mais il y a plein de retourner au potager, docteur. Ouais, mais ça nous fait de la salade et tout. On la mange pas, moi j'aime pas les des pommes de terre. C'est qui François Fillon là derrière là? Et Pichon, du coup, t'as pris combien toi? Je crois que je vais pas sortir tout de suite, moi. Ah ouais, c'est-à-dire? Bah je crois que même si je lui mets une peine, dans tous les cas, il va me rhabiller, c'est bon. Tu vois, il doit rester beaucoup de temps, lui, hein. Vous avez quel âge, M. Pichon? 62 ans. Oh merde, ah vous faites pas. Ah bah 2 ans, il est cuit, hein. Ouais, bah écoutez, on verra, hein. Et vous, docteur, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que vous soyez là? Ah, si je vous expliquais, vous me croirez pas. En fait, nous, on est innocents. Distrayez-moi. Ah oui, bah oui. Bah depuis, vous êtes psychiatre, vous êtes juste psychiatre. Non, mais en fait, on est vraiment innocents. Ah merde, bah pourquoi vous êtes en prison? Mais ça, c'est à la police qu'il faut demander. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était devant l'hôpital, et puis il y a l'autre folle dingue, de Lucie Hellman, qui nous a agressés, juste parce qu'en fait, c'est la gueule de Hayley, notre collègue, lui revenait pas. Parce qu'elle était habillée pareil. Et puis du coup, on l'a emmené discuter dans un coin. Toute la ville s'est mise à nous rechercher comme si on avait enlevé Mère Teresa. Et maintenant, voilà pourquoi on est là. Je crois que si le maire se faisait kidnapper, il y aurait moins de réactions que si Lucie se faisait kidnapper. Il y a pas un souci, hein. Le maire est d'accord. Bah il est avec nous, le maire. Ah, c'est le maire, lui? Oui, bah oui. C'est le yinche. Dis donc, monsieur le maire, ça va? Comment ça va dans votre vie? Comment ça se passe en ce moment? Vous avez déjà pensé à venir à mon cabinet quand j'étais psychiatre? Racontez-moi un petit peu votre vie. C'est vrai? Carrément. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Vraiment? Et comment vous ressentez tout ça finalement, vous? Ah bah oui, évidemment, je comprends. C'est difficile. Mais et depuis que vous êtes mère, comment ça se passe? Pas trop de stress quand même? Non, ça va? Ah oui, je comprends. Ça doit être quand même difficile. Mais félicitations d'ailleurs pour votre élection. C'est vraiment... C'était impressionnant. Vous êtes quel genre de maire? Vous êtes plutôt de gauche, centre-gauche, progressiste, conservateur? Conservateur, hein. C'est un chien de droite, donc. Vous préférez qui entre Pluto et Dingo? Dingo? Bah, c'est vrai que Dingo est plus rigolo, quand même. Oh putain, mais... Oh. Et c'est plutôt la droite économique et libérale ou plutôt la droite conservatrice, alors? Ah, c'est la droite conservatrice. Ah là là, c'est vraiment un putain de chien fasciste, je déteste les fachos. Du coup, est-ce qu'on peut le traiter de fascio? Fascio. Le chien, tu aurais un AK-47 à me dépanner? Ah, il m'a dit plus tard. Il a dit plus tard, docteur. Alors, on a dit, on a roi d'ici, c'est ça? Ah ouais, à vie, carrément? Un peu, quand même. Non, mais ce chien est complètement cursed. Alors moi je suis innocent donc. C'est familial, ouais, vous êtes purement innocent, c'est cool. Bah oui, c'est triste. Hein. Bon, c'est pour rester un petit peu avec Juan, sinon il va se sentir seul, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Moi le lieutenant il m'avait dit que. Enfin, votre capitaine là il m'avait dit qu'il me mettait que 5 minutes. Il va vous attendre dans le jardin, professeur, faites vite, hein. Ah ouais, mais de toute façon, dans 2 minutes je suis sorti, hein, moi, tu sais. Pourquoi? Parce que j'ai pris moins que toi. Tu as pris combien? Moi j'ai pris 10 minutes. Mais comment ça se fait? C'est parce que je suis blanc. C'est vrai, l'argument était bon. Passez une bonne soirée. Allez, salut. Ouais, dis donc, ah oui. Pourquoi vous venez avec nous, vous? Oh Tom, vous nous rejoignez, vous êtes bien aimable. Bah alors? Mais qu'est-ce qui...
Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en toile, vous aussi? T'es quoi, toi? T'es vagos? T'es familiste? T'es quoi? Je suis en prison. Ouais, ok, donc t'es complètement con, c'est ce que je voulais savoir. A few minutes later. Vous pouvez me rendre mon téléphone? Bah, je l'ai pas. Oh là là. Juan, c'est bon? Vous savez, Hermano, il a suffi d'un truc aujourd'hui, quand même, hein? C'est quoi, le passage en hélico? Non, et ma petite blague de Patrick Bruel que j'ai trouvé vraiment bien. Hein. C'est vrai, tu peux me la répéter? Tu penses qu'on va retrouver, ta sœur dans une ruelle? Patrick! Vous voyez, c'était une bonne blague, maintenant. Ouais. Et maintenant, docteur? Bah, maintenant, vous savez ce que je voulais dire depuis le début. Ouais, tirer d'abord et réfléchir ensuite. C'est ça. Des fois, le cerveau, il fait pas tout, docteur. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, Juan, ton souci familial, t'en parleras avec Cox, hein, c'est lui le psychiatre. Mais par contre, tu vas aller t'excuser, elle vient de se faire opérer, je crois. De qui, Hermana? Bah oui, ta sœur, bah celle que t'as mis une tête, ou je sais pas quoi ce que tu m'as dit, là. Si, mais pour ma défense, c'est plutôt elle qui est venue dans ma balle, et c'est pas ce qu'elle est venue faire, là. Non, mais je m'en fous de la défense. Écoute, je suis pas psychiatre, mais quand même. Oui, bah attendez, vous l'avez pas vu conduire un hélicoptère, hein? Docteur Cox, vous êtes endormi? Ah, c'est à moi que tu parles? Si? Oui, non, je demandais, on est d'accord, les soucis, enfin, il y a eu agression, faut qu'il aille s'excuser à sa sœur, quand même. Mais il passe son temps à s'insulter, alors, tu sais. Et puis en même temps, ils sont dans une relation amoureuse compliquée. Pardon? Vous avez pas vu Game of Thrones? Ce qui veut dire, c'est qu'elle m'a juste soucé, mais ça veut pas dire non plus qu'on a une relation amoureuse. Non, bah alors, vous pouvez pas mettre de la musique? Non, mais va chanter si vous voulez, Juan. Il ne sait pas quoi chanter, donc vous m'avez pris un peu dépourvu, hein? Oui, mais chantez quelque chose plutôt que parler de vos aventures avec votre sœur. Si, vous êtes prêts ou pas? Oh, bah oui, on sera mieux préparé que oui. Docteur Cox, vous suivez, hein? Ouais. Baila, baila, et la bamba. Tu nécessites une... Baila, baila... Non, mais tout... Ah, pardon, c'est après, bah oui, c'est après. Tu fais l'instrument, mais tu fais pas la parole, tu connais pas la musique. Ah, pardon. La. Non, c'est pas ça, il reprend. Baila, baila, la bamba. On est en Amérique ici, messieurs, on chante des chansons américaines. Laissez-moi mettre de la valse. Pour le yinche, on arrive au commissariat. Manuel? American qui disait. Vous avez compris ma blague ou pas, docteur? Écoute la musique et tais-toi. Manuel Valls, docteur. Ah, j'ai compris. Juan, on y va. Attendez, le chien veut me donner quelque chose. Oh là là, mais ce chien est adorable. C'est quelle race? On dirait une épagnole. C'est un bâtard. C'est un bâtard, c'est pas très gentil. Un bâtard, non, c'est bonne soirée, putain. Attends, laisse-moi enlever mes lunettes. Flingue, Lucie. Voilà. Mon plan, il est simple, non? Non, mais ne vous laissez pas envahir par la haine, tout de même, hein? Ah non, si. Flingue, Lucie. La haine, maintenant, je l'accepte. Elle est là. Je dis bonjour, elle s'est installée chez moi. Aïe. Excusez-moi, madame. Vous avez une belle voiture? Désolé, hein, on vous la ramène. Hein. On va récupérer Ellie d'abord. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose qui tue des gens? Parce que depuis tout à l'heure, c'est du foutage de gueule ce que vous me vendez. Hein. Vous avez acheté quoi, docteur? Un flingue. Écoute, quitte-toi bien. Je crois que vous vous laissez emporter par les émotions, hein? Mais non. Attendez, il a réfléchi à un plan dans ma tête. Il n'y a pas de plan. Le plan, on l'a. Flingue, Lucie. Vous êtes énervé, professeur. Non. Je suis très calme. Je suis extrêmement calme. Vous êtes un calme énervé quand même. Hein. Professeur, vous êtes sûr que c'est bon de partir en Vendetta 24 heures avant le festival Oduka? Ah non, pas maintenant, mais là on va aller dormir, on va d'abord aller trouver ta sœur. On va aller dormir, et demain, flingue, Lucie. Il y avait la chercher, elle a besoin de nous, elle a froid, elle m'a dit. Oh putain. Hermana! C'est pas vrai, docteur, amenez-la. Et il est... Elle m'a relevé, Cox. Ouais. Attends, je... Professeur, qu'est-ce que vous faites? J'examine son string. C'est pas sûr que je passe la nuit. Est-ce si, que tu vas passer la nuit, arrête, ferme ta gueule. Je suis en train de faire de l'hypothermie, là. Avec tout ce que j'ai fait pour... Ramène-la. Montez dans la voiture, elle est. C'est bon, elle est debout. Montez dans la voiture, mettez-vous au chaud et on va chez moi. Docteur, restez avec nous, docteur. Hop. C'est pour te réchauffer, mon enfant. Non. Pourquoi il y avait une panthère dans la bagnole? Ah, c'est folle pas, j'allais mourir. Attendez, il va abréger les souffrances de la panthère. Quoi? Mais non. Oh là, c'est comme si tu venais de me tuer une deuxième fois, mais... Mais non, elle ne se réveillait pas tué une fois, déjà. Four pack. Juan, il faut que je te dise quelque chose. Dis-moi. Il est possible que dans la cohue, il y ait mis une ou deux balles. Mais va t'habiller avant. Ouais, bon, je préfère que ce soit toi qui me butre, Juan. Si, je comprends. Mais je t'aime toujours, hein. Docteur, vous connaissez que deux tenues ou quoi? Je préfère celle-là. Docteur... Il n'y a pas vous poser une question ou pas? Ouais. Vous avez quand même aimé les moments qu'on a passés ensemble.
C'était les meilleurs. Ok. Et tout a une fin. Bah oui, je comprends, mais il y a grand que vous êtes en train de déjanter, docteur. Je vais manger un petit truc. Vous voulez un petit truc à manger, docteur? Je vais rester là dans le silence et regarder devant moi d'un air mélodramatique. Je m'inquiète un peu pour vous, hein. Hermana! Oui, Hermano. Il sait que tu as des balles dans le corps. Mais je crois que le docteur est en train de t'éteindre. Il est le seul à rigoler dans cette putain de ville. Et il est. Ouais. On va choper des armes, des flingues, et on va tuer Lucie. Ça me soulagera. C'est à cause d'elle si t'as failli crever, ok? C'est surtout les flics et les vagos, mec. Ouais, mais tout ça, c'est à cause d'elle au final. Si, c'est pas faux. Mais après, docteur, encore une fois, si vous m'auriez écouté il y a bien longtemps... Et en tout cas, je t'écoute maintenant. Moi, en tout cas, là, tenir une arme, c'est compliqué, mec. Oh, tu peux tenir quand même et tirer n'importe où comme tout à l'heure, mais ça pourra faire. Tout à l'heure, j'ai pas tiré, j'ai levé les mains, je voulais pas qu'on me tire dessus, tu vois. Mais il y a quoi que c'est moi qui t'ai tiré dessous, hein? Non, vraiment pas, je me suis pris une rafale de Uzi, je crois, dans le bide. Ah, bah c'est c'était pas bon, une charpie, le doc il m'a dit, on aurait dit genre une espèce de rillette, mais bon marché, tu vois. C'est bon la rillette, hein? Je te mange comme tu veux, hein? Docteur, vous voulez pas une nouvelle coupe? Non. Docteur, vous êtes un peu trop sérieux, hein? Silence. Vous avez vu le dernier Terminator? Oui, c'est celui où il y a le Terminator qui vend des tapis, c'est ça? Si, bah c'était d'ailleurs un Vagos. Ah oui? Mais il s'est reconverti en Terminator. Vous en avez pensé quoi du film? C'est de la merde. Mais vous voulez qu'on aille voir Lucie et qu'on tire sans poser de questions, comme les autres y font? Pam pam, direct! Exactement. J'ai plus rien à parler, j'ai plus rien à négocier, j'ai plus rien à demander. Je pense que dans la vie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, docteur. Hein. Vous voulez une petite blague? Écoute. Qu'est-ce que deux trous dans un trou, docteur? Je ne sais pas. C'est ton nez dans mon cul. Excellent. Merci, docteur. C'est pas vrai, c'est une caricature des femmes, elle, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Mana? Rien, il me restait plus grand-chose, de toute façon, avec le crash d'hélicoptère et l'opération... Mana, tu es dégueulasse, tu es même plus baisable. Oh bon, j'en ai rien à foutre d'être baisable, mec, je suis en train de crever. Oh là, Mana, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah merde, pardon. Bonsoir. Je cherche un moyen de me rendre à un endroit parce que je peux plus utiliser de moyen de locomotion. Je vais vous laisser, excusez-moi. Non, mais attendez, vous pouvez venir, hein? Bah oui, venez, je vous amène. Ah, merci beaucoup. C'est sur la carte, hein, c'est ce que vous avez vu. Exactement, exactement. Si, docteur, ça vous dérange pas qu'on l'amène? Non. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup m'excuser auprès de Lucie. Est-ce que vous savez où elle est, monsieur? Je pense qu'elle est exactement là où on va, monsieur. C'est vrai? Je pense vraiment qu'elle est au niveau des hélicoptères, oui. D'accord. En tout cas, d'après ce que j'ai vu comme texto, la dernière fois qu'ils se rendaient quelque part, c'était là-bas. Peut-être qu'ils auront bougé depuis, mais il n'y aura pas que Lucie, par contre, s'il y a les Vagos, comment ça va se passer? Je sais pas comment ça va se passer. Préparez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok. Arrête-toi là et laisse-le finir à pied. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu l'occasion en or ou pas là? Peut-être un piège. Non, je pense pas. Si vous voyez le style, vous le dites, je sors et je tire de loin, ok? Je viserai que la tête. Non, fais pas ça, ça va pas ou quoi? Mais quoi, ça va pas? Bah, je veux pas viser de loin, je veux voir son regard au moment où la vie quittera son corps. Mais c'est ce que le docteur veut! Attends, j'ai des jumelles. Elle est assez. Regarde-moi ça. Elle est là-bas, je la vois. Hey, Lé, tu veux dormir, toi, c'est ça? Elle est crevée, on va la laisser dormir, on aura besoin d'elle demain. Arrête-toi chez moi, je vais aller dormir sur mon tapis volant. Mais je peux venir, comme ça, si c'est que j'ai un problème, tu allez-y, m'amènes. Venez, il y a un lit volant aussi. Ouais, Doc. Hey, Lé. Ouais, je ressemble à vous, mais en plus moche. Demain, on va aller t'acheter des fringues, les mêmes que moi, d'accord? Juan, on va aller dormir, on va se reposer, demain, on sera en pleine forme. Reposez-vous bien, et puis soyez prêts pour demain. Vas-y, une bonne soirée, hein? Attention aux meubles. Bonne soirée, les frères.